Yo tout le monde, c'est PokémonGo.fr. Du coup là, je me retrouve avec vous avec le fameux hack de iOS sans jailbreak, sans Mac, sans PC. Du coup, c'est juste deux applis à installer, du coup sans jailbreak, sans passer par des méthodes bizarres. Du coup là, je vous montre comment ça marche. On appuie, ça avance. J'appuie devant, ça va devant. Il y a les Pokémon et tout. J'appuie, là, je suis appuyé sur un Pokéstop, il est trop loin. Là, j'appuie à droite, il va à droite. J'appuie à gauche, j'ai appuyé sur un Pokéstop. J'appuie à gauche, il va à gauche. J'appuie à derrière, il va derrière. Jusque-là, tout est normal. Donc là, il y a trois petits boutons. Le premier bouton, c'est le bouton Home pour retourner chez nous. Le deuxième bouton, c'est le bouton Téléport pour se téléporter à un autre endroit. Le troisième bouton, c'est le bouton Walk pour marcher automatiquement. Du coup là, vu que moi je me suis TP juste avant de Central Park jusqu'à ici, du coup j'ai re-été restreint. Du coup, je répète pour les gens, si vous êtes restreint, du coup vous pouvez pas prendre les Pokéstop. Hop. Ça marche pas. Hop, et vous pouvez pas capturer de Pokémon. Du coup, vous pouvez bien rentrer en combat. Hop, hop. Vous pouvez essayer, hein, mais il va s'enfuir directement. Du coup, là, ce que vous allez faire, c'est, oups, 10% de batterie. Je vais brancher un truc. Si vous devez faire le seul truc que vous devez faire, c'est juste attendre 30 à 2 heures, on va dire, suivant votre chance, et c'est bon. Du coup, là. On peut avancer tout ça. Du coup, là, on va enchaîner avec le tuto. Très simple, deux applis à télécharger, à installer. Du coup, la première application, c'est ça. Hop, c'est ça, le lapin. Et la deuxième application, c'est une version spéciale de Pokémon Go. Du coup, sans jailbreak, sans Mac, sans PC, juste avec votre portable, tout simplement. Ce tutoriel est très très simple. Il faut juste aller sur Safari. Dans le lien que je vais vous donner dans la description, donc tutuapp.com, vous arrivez là. Vous avez trois onglets. Le premier onglet, c'est la version normale, on va dire. Le deuxième onglet, je ne sais pas si vous voyez, bon, de toute façon, vous ne comprenez rien, c'est la version jailbreak, donc vous ne prenez pas ça. Et là, c'est la version VIP, il faut payer. Du coup, non. Nous, on prend la version gratuite en haut à gauche. Du coup, gratuit, en haut à gauche. Vous descendez un peu, il y a un gros bouton vert. Appuyez sur le bouton vert. Hop. Bon, moi je l'ai déjà, donc voilà. Donc une fois que vous avez cliqué, il y aura un message installé ou pas. Vous cliquez sur installer. L'icône va se télécharger tout seul. Une fois que vous avez fini de télécharger le logiciel, vous ne pouvez pas encore l'ouvrir. Ça nous marque développeur entreprise non approuvé. Du coup, allez dans réglages. Hop. Puis dans général. Puis dans. Soit, enfin ça change, soit c'est périphérique et gestion, un truc comme ça, soit c'est gestion des appareils. Allez dans gestion des appareils, ici, le Matt Ajax machin, faire confiance à Matt Ajax, se fier. Hop. Donc là, c'est bon. Ensuite, recliquer sur l'application, maintenant ça marche. Non, je veux pas de notification. Hop. Vous passez les trucs en scrollant, vous cliquez sur le bouton rouge. Donc on l'ouvre, on arrive là. Du coup, là, vous voyez un Pokémon, vous cliquez dessus. Mais c'est pas celui-là, en fait. Celui-là, c'est la version normale. On ne veut pas la version normale. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout en haut. On clique sur la barre de recherche. Bon, là, toujours pas. On tape Pokémon Go. Moi, je l'ai déjà tapé, donc écrivez. Hop. Pokémon Go. Hop. Vous tapez Pokémon Go. Vous voyez celui-là. C'est toujours pas celui-là. Vous descendez, Pokémon Go, non, c'est toujours pas celui-là. Hop, descendez encore, vous descendez en. Hop, c'est celui-là. Pokémon Go V1.0.2, voilà. Celui-là. Repérez bien les caractères. Hein. Faites comme si c'était des dessins. Enfin, comparez les caractères. C'est celui-là et pas l'autre. Du coup, avec les autres, vous n'aurez pas le joystick. Donc là, c'est bon. Vous regardez les images, il y a bien les joysticks, tout ça. Hop, on fait installer. Je dis installer. Ah, il veut pas. Hop, c'est bon. En cours d'installation. Je pense qu'on peut revenir. Ah, oups. Ah non, installer. Voilà. Du coup, là, on attend. Donc là, l'installation est presque finie. On attend encore un peu. Hop, c'est fini. Pokémon Go. On essaie de cliquer. Toujours pas. Et approuver l'auteur, machin. On retourne en général. Réglage général. Du coup, gestion d'appareil. Donc, je le redis, sur le mien, c'est gestion d'appareil. Sur certains, c'est gestion des périphériques, quelque chose comme ça. Donc, essayez de chercher un peu dans général, vous trouverez.
Hop là, il y a le Shenzhen machin, faire confiance, se fier. Hop, on ressort. Et là, on peut l'ouvrir. Du coup, là, je vais juste rentrer mon compte et tout ça, je vous retrouve juste après. Tout le monde, j'ai juste rentré mon compte, voilà, voici mon compte dans Pokémon Go France. Du coup, là, j'ai rien fait et on s'est retrouvé avec ces, je sais pas si vous les voyez bien, hop, en transparent, des joysticks ici, là. Et on va dire, des icônes. Le premier, c'est Home, donc pour retourner chez vous. Le deuxième, c'est Téléport, pour utiliser le téléport. Encore une fois, attention, ne vous téléportez pas trop loin, sinon, c'est la merde. Vous allez être restreint pendant 30 jusqu'à 30 minutes ou jusqu'à 2 heures. Et le troisième icône, c'est le Walk, donc marche auto. Du coup, là, je clique à droite. Voilà, vous voyez bien, ça va à droite. Je reclique à droite, ça va à droite. Donc, je reste appuyé. Hop, on ne peut pas rester appuyé, je crois. Voilà. Du coup, il faut spammer un peu. Hein. Spammer un peu. Hop. Hop. On va en haut. On va essayer de voir si le Pokéstop est bon. Hop. Hop. Voilà, je crois que l'on a été restreint parce que je me suis TP. Hop. On va essayer avec le Pokémon quand même. Ah, le magnifique rideau. Hop. C'est chaud avec la main gauche. Hop, joli. On va voir. On va voir si le Pokémon s'enfuit ou pas. Ah, il s'enfuit, voilà. Donc, on a été restreint, enfin, notre compte a été restreint parce que moi, je me suis TP, hein, j'étais toujours à Central Park. Du coup, là, si vous n'arrivez pas à capturer de Pokémon ou de Pokéstop, il vous suffit d'attendre 30 minutes à 2 heures de vous reco. Mais attention, ne vous TP pas trop loin cette fois-ci. Juste restez proche de là où vous êtes et ce sera bon. Du coup, là, je peux parfaitement commander mon personnage. Hein. Hop, aller devant, aller à droite, aller en haut, aller en bas. Donc voici le tuto, hein. C'est très simple, il suffit d'installer deux applications, vous voyez que les Pokémon Pop et tout, il suffit juste d'installer deux applications et c'est bon. Donc merci beaucoup, c'était Pokémon Go FR, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker cette vidéo si ça vous a aidé. Je vais sûrement proposer des gameplays de Pokémon... Hop, je vais cliquer sur l'arène. Je vais sûrement proposer des gameplays de Pokémon par la suite. Je vais continuer les astuces et les hacks quand il y en aura de nouveau en fait. Là je crois que j'ai déjà fait tous les hacks. Il me reste plus qu'à faire le hack d'Android demain. Et ce sera tout en fait. Du coup là, je vous laisse là. Donc abonnez-vous et likez cette vidéo, hein, partagez-la. Merci beaucoup, c'était Pokémon Go FR. Ciao, ciao.